Alors les amis, il y a quelque chose vraiment de bizarre ici sur les rivières qui alimentent le lac de Dzoumogné. Je suis un petit peu légèrement en haut du lac de Dzoumogné. Là, à 300 mètres, je suis dans le lac de Dzoumogné. Donc ici, on a une cascade en haut. On va monter pour voir. Donc on monte. Donc on a encore de l'eau hein, qui descend dans le lac, hein. Ça c'est sûr. Mais le niveau est très bas. Donc regardez, il y a une cascade là-haut. Il y a une cascade là-haut. Voyez. Hein, à Mayotte, on n'a pas d'eau. Donc, il y a un mur en haut, là. Moi, ça me paraît un petit peu bizarre, mais je vais aller voir. Je vais être sûr de ce que je vois, quand même. Donc, on en est hier, Fuzamadzi. Je vais toi, j'ai mon ami Rueni. Tige. Mais... Alors, le truc que je trouve bizarre, là, c'est ce barrage-là. Ça y était pas l'année dernière. Tout ça y était pas. Hein, ces cailloux-là, hein, tout ça y était pas. Hein, donc, ça fait un barrage. Ici, surtout, ça me paraît bizarre, le positionnement des cailloux, des rochers. C'est bizarre quand même. Parce que ça y était pas, j'avais filmé. J'ai des vidéos d'ailleurs. Donc il faudra que je regarde des archives. Ces cailloux-là, s'il y a des gens qui sont venus pousser les cailloux, je sais pas. En tout cas, moi je trouve ça bizarre quand même, c'est louche. Donc voilà les principaux rivières qui alimentent le lac de Dzoumogné. Tout passe par ici. Tout passe par ici. Là, je vois qu'il y a une machine qui est venue ici, qui a poussé les rochers ici. Ça y était pas là, ça ici. Hein, il y avait un très beau chemin. Donc, on pousse les cailloux pour que ça puisse bloquer la rivière. C'est super, hein. Donc, ça y était pas ici aussi. Donc, tout ça y était pas. Le surplus de cailloux là. On voit que ça a été poussé par la machine, ça. Bon bref, en tout cas, alors j'avais dit qu'on allait monter en haut pour voir, je vais monter. Alors je suis monté vers là où il y a la cascade. Alors ici il y a ça. Déjà rien que mettre ça là, déjà. Ça barre l'eau déjà. Mettre ça. Déjà ça barre l'eau. Ben, c'est une filtration en fait. On va filtrer ici. Voilà l'eau. Il y a encore de l'eau, hein. Il y a de l'eau. Donc ça passe en dessous. Ça passe là-bas. Et ça descend vers la chute. Donc, il y a trop de barrages. Trop de barrages. Je vais regarder un petit peu plus haut. Hein. Hein, on a cette eau quand même, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, pas
autant que ça, mais il y a de l'eau. C'est déjà beaucoup de mètres cubes qui descendent ici quand même. Donc ici, il y a des gens qui se lavent ici. J'ai vu des gens qui se lavaient. Ils arrivent à monter jusqu'ici pour se laver ici. Et nous, on va boire directement là-bas. Franchement. Donc ils sont en bas, en train de se laver tranquillement. Ah ouais, j'ai compris là maintenant. J'ai compris pourquoi l'eau a été barrée là-bas. Il y a un champ de tomates ici. Le champ de tomates. Je comprends mieux. Continuez. Donc, les cailloux qui ont été positionnés là-bas, c'est pour faire un regroupement de l'eau. Hein, c'est plus pratique pour récupérer, hein, pour les tomates. Un petit passage ici pour récupérer l'eau. Hein. Oh, j'ai compris maintenant. D'où le petit barrage là. Ah, je me posais des questions. Qui c'est qui a mis ça là ?